J'avais des angoisses quasi journalières et des crises de panique. Ça montait crescendo, la gorge qui se serrait, sensation d'oppression dans la poitrine, les mains moites. Ouais, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir, que j'allais faire une crise en voiture, en public. J'avais l'impression que, allez, hop, ma dernière heure allait arriver, que j'étais sur le qui-vive constamment. En fait. C'était un tsunami à l'intérieur, en fait. Alors, Claire, donc tu viens de terminer la thérapie avec moi, et quelle était ta situation avant de me rejoindre, de travailler avec moi? Alors, j'étais très angoissée. J'avais des angoisses quasi journalières, avec des angoisses très fortes et des crises de panique qui survenaient régulièrement, en fait. Comment elles se manifestaient, ces crises? Alors, ça commençait souvent par des symptômes physiques. Alors, je pouvais avoir une douleur au ventre, une douleur aux côtes. Alors, ça y est, ça partait. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as mal là? Ça se trouve, c'est grave. Donc, ça y est, ça se mettait en marche dans la tête. Et alors là, ça montait crescendo, la gorge qui se serrait. Sensation d'oppression dans la poitrine, les mains moites. Ouais, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir, que j'allais faire une crise en voiture, en public, enfin bon, bref, un peu n'importe où, sur mon lieu de travail. Alors là, c'était l'horreur. J'avais des symptômes, voilà, les bourdonnements d'oreilles, la vision qui se troublait. Là, j'avais l'impression que, allez, hop, ma dernière heure allait arriver. Enfin, c'était horrible. Oui, tu avais vraiment tout un panel de symptômes de la crise d'angoisse. C'était très. Ah, et tout à fait. C'était quasi, alors pas journalier pour les crises de panique, mais l'anxiété, oui, ça pouvait débuter dès le matin en me disant, oh là là, aujourd'hui, voilà, comment tu te sens? Alors déjà, je me disais ça, donc déjà rien que le fait de me dire comment tu te sens, ben, ça me mettait en éveil en fait. Et puis il suffisait qu'il y ait quelque chose dans la journée. Bah, qui me stresse plus que d'habitude, et bah, ça y est, la crise de panique arrivait. Quel impact ça avait sur ta vie, en fait? Bah, c'est-à-dire que je me suis réadaptée tout le temps, en fait. Donc, j'avais quand même la chance d'avoir un travail qui, entre guillemets, m'obligeait à me lever, mais c'est-à-dire que j'étais sur le qui-vive constamment, en fait. Et j'avais l'impression, voilà, d'être enfermée dans un corps. Alors les gens le voyaient pas forcément parce que voilà, je suis quelqu'un de souriant, de plutôt à l'aise avec les autres. Mais alors à l'intérieur, mais c'était un tsunami à l'intérieur en fait. Donc je regardais l'heure tout le temps, en disant là là. Quand est-ce que tu vas rentrer à la maison? Tu vas peut-être pouvoir souffler un peu une fois que tu vas te rentrer à la maison pour pouvoir bah, baisser ce taux de stress. Voilà, j'étais en crispée toute la journée, en fait. Est-ce que ça t'empêchait de faire des choses? Alors, ça m'empêchait. Alors, je les entamais, par exemple, le truc tout bête, d'aller au restaurant ou d'aller dans un magasin ou dans un supermarché. Alors, j'essayais de pas anticiper, mais mine de rien, inconsciemment, j'anticipais quand même. Bah, des fois, je rentrais dans des magasins et puis ça montait, ça montait. J'arrivais plus à me raisonner. Bah, je partais, je fuyais en fait. Alors, sur mon lieu de travail, c'était un peu plus compliqué. Il est arrivé une ou deux fois où il a fallu, voilà, je travaillais avec des enfants, où je disais, bah, écoutez, là, ça va pas. Est-ce que je peux sortir un peu? Donc, je me mettais. Ou j'allais aux toilettes ou dans la bibliothèque, voilà, pour essayer de reprendre mes esprits, puis de me dire, bon, bah, allez, ça va aller, là, t'inquiète, de faire passer la crise, en fait. Qu'est-ce que tu avais essayé avant comme thérapie pour résoudre ça? Alors, j'avais fait plutôt un peu de l'hypnose, des thérapies plutôt comme ça, en fait. J'allais dire à proprement parler psy en fait, de décortiquer un peu le pourquoi du comment, mais en fait c'est trop intellectualisé, donc au final on le sait pourquoi on a cette anxiété en fait. Voilà, ça peut être des schémas familiaux, ça peut être dû à des chocs, à des choses. Voilà, moi je savais très bien pourquoi je faisais ça, mais bon, une fois qu'on sait ça, ben, mine de rien, ça vous empêche pas de faire des crises en fait. Alors après, j'ai commencé un peu à regarder
d'un niveau physiologique, pourquoi est-ce que j'avais ces crises, quoi, d'où ça partait? Et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était aussi peut-être purement physiologique, que j'avais sans doute un système nerveux qui était complètement dérégulé, quoi. Donc, comment faire pour réguler ce système nerveux? Donc, après, je me suis rendu compte que on pouvait faire des thérapies cognitives, des thérapies courtes. Donc, je me suis renseignée et puis bon, je suis tombée sur une manuelle. Et donc, du coup, voilà, j'ai regardé tes petits livrets déjà que tu offres, tes petites vidéos. Et là, je me suis dit, mais voilà, il y a une explication aussi physiologique. Donc, en fait, ouais, il y a le psy, mais il n'y a pas que ça. Donc, là, je me suis dit, moi, ça me parlait, en fait. Je me suis dit, voilà, ce qu'il dit, ça résonne. Mais comment faire? Moi, je n'ai pas les outils, donc, faisons appel à un professionnel. Est-ce que tu as eu peur avant de rentrer dans l'accompagnement? Tu avais, Non. à part l'accompagnement, non, aucune Non. peur? Pas de peur. Mais au D'accord. contraire, je me suis dit, voilà, t'as tout à apprendre, en fait, t'as rien à perdre, en fait. T'as rien à perdre, donc allons-y. Puis on a eu ce petit appel là que tu proposes en amont, donc on a pu échanger. Donc après, voilà, c'est aussi une question de rencontre. Donc voilà, ton discours, moi, me convenait, tes paroles étaient plutôt rassurantes. Et puis tout de suite, voilà, tu dis ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Voilà, donc il y a un côté, voilà, bienveillant, cadrant. Et puis voilà, on voit tout de suite que tu sais de quoi tu parles, que tu maîtrises le sujet. Donc non, non, j'ai pas eu de crainte particulière, absolument pas, non. T'as un côté un peu fonceur, malgré que tu as des peurs, que tu aies eu des peurs, Oui. mais tu n'as pas peur de foncer, d'aller de Ben l'avant. non, ça Ça, c'est n'empêche bien. pas. Ouais, ça, c'est une bonne qualité en tout cas. N'empêche pas. Ouais. Ben oui, alors après, voilà, il y a d'autres peurs, mais pas celle-ci. Comment s'est passé que se sont passés les premiers jours avec moi de thérapie? Ben, après, ce qui est agréable, c'est que tu proposes ce support, en fait, là, sur Internet. Support Donc, du vidéo, coup, la voilà, donc, formation en vidéo, voilà. ouais. Donc voilà, c'est ce que je cherchais, la formation. Donc c'est agréable parce que du coup, effectivement, en plus, toi tu t'enregistres, donc on te voit. Donc moi, j'ai trouvé que c'était plutôt agréable aussi de voir la personne avec qui tu as des entretiens, de la voir aussi, voilà, sur vidéo. Et puis, je veux dire, c'est toujours bien illustré. Puis c'est des sessions que tu peux faire à ton rythme. Donc, et puis après, on peut débriefer quand on fait les vidéos en direct, en fait. Donc, j'ai trouvé que mon outil était intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Alors, pas particulièrement. Après, voilà, il y a des choses sur lesquelles moi, j'étais moins à l'aise parce que des choses que je ne comprenais pas. Donc, Qu'est-ce du que tu coup. comprenais pas, par exemple? Parce que je ne comprenais pas. C'était pas vraiment que je comprenais pas, mais tu vois, c'était plutôt dans la logique, en fait, de progression. Oui. Tu vois, c'était plutôt les étapes à mettre en place. Pas griller les étapes, par exemple, voilà, quand tu dis qu'il faut voilà, se mettre face à ses peurs, y aller directement. Bon, ben voilà, est-ce qu'il faut y aller tout d'un coup? Alors, après, voilà, moi, tu m'as dit qu'il fallait y aller progressivement. Voilà, il y a des étapes à pas brûler. C'était plutôt par rapport à ça, en fait. Sinon, non, non, je trouve que les vidéos, elles sont plutôt claires, elles sont bien expliquées, c'est hyper facile d'accès, hein, c'est accessible à tout le monde, hein, honnêtement. Voilà, moi, c'était plus dans la progression, puis pas brûler les étapes, en fait. Comment tu as réussi à pas brûler les étapes du coup? Eh ben, avec toi, en fait, parce que tu vois, il y avait vraiment toutes les premières étapes, voilà, de s'exposer ou de. Voilà, moi, j'y serais peut-être allée franco en me disant, bon, ben voilà, l'acceptation, par exemple, ben, c'est pas parce que tu acceptes effectivement qu'une fois ça se passe bien que c'est acquis. Moi, j'aurais plutôt tendance à avoir ce côté, comme tu dis, tu vois, franco, comme tu Oui. disais tout à l'heure, d'y aller, bon, ben en me disant, bon, ben voilà, deux, trois fois. C'est acquis ton cerveau. Ben non, en fait, c'est pas acquis. Donc, ça apprend la patience en plus, parce que je trouve que, effectivement, dans l'anxiété, il faut s'armer de patience. Mais vraiment, je pense que c'est, avec le recul,
C'est vraiment un des points centraux, vraiment. Je pense que c'est vraiment la patience et puis l'acceptation et puis se fiche la paix de temps en temps, quoi, se dire bon, ben, tu vas y arriver. Et puis, comme tu disais, il y a eu un moment donné où il y a un schéma, tu sais, on monte, on descend, on monte, on descend. Oui. Et effectivement, j'ai eu cette sensation-là en me disant, waouh, des fois, tu dis, ça y est, tu as un moment de répit, là, tu dis, Oui. oh, punaise, ça y est, j'ai compris le mécanisme, c'est gagné. Et puis non, 15 jours après, ben, tu fais une petite crise, mais qui est vraiment, voilà, Oui. plus faible que les autres. Et là, tu te dis, ben voilà, ah oui, donc effectivement, c'est pas de 0 à 100. Ça va faire 0, ça va faire 1, et puis après, la prochaine fois, ça va faire 3, puis après, ça va faire peut-être 6. Voilà, donc c'est des petites marches que tu montes, mais quand c'est, voilà, quand t'as compris, c'est compris. Et en fait, on apprend toujours quelque chose, et du coup, voilà, il y a quand même ce côté, voilà, de pas être tout seul, parce qu'il y a eu des fois où en fait, on avait espacé les rendez-vous, et puis, ben, il y a une ou deux fois, moi, où voilà, j'ai refait une crise. Alors moindre, hein, vraiment je rassure, hein, qui était quand même beaucoup moins importante, beaucoup moins violente, parce qu'on a quand même les outils de respiration qui sont quand même assez magiques quand on vraiment les utilise à bon escient, puis voilà, qu'on les fait progressivement aussi. Bah t'es là en fait, t'envoies un mail, bah t'es toujours dispo en fait. Donc là, c'est quand même c'est important je trouve, parce qu'on est dans l'humain, donc on n'est pas voilà, raccroché à, des fois, voilà, t'as des thérapeutes, ben, ils disent, bon, ben, on a rendez-vous, je sais pas, tous les 15 jours. Puis t'en as, bon, ben, si t'essaies de les joindre avant parce que ça va pas, ben, j'ai pas de place, ben, regardez sur Doctolib, inscrivez-vous, et puis, vous cochez sur, s'il y a un rendez-vous qui se libère, ben, vous prenez, ben, non, en fait, moi, j'ai besoin de toi maintenant, quoi. Oui. Donc, voilà, t'es hyper disponible, en fait. C'est bien que tu soulignes cette notion de patience, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui me font des messages sur YouTube, dans les commentaires YouTube, qui me disent j'ai tel problème, aidez-moi tout de suite. Ben Et en non. fait, c'est un cheminement, la thérapie. L'anxiété, les crises d'angoisse, c'est un cheminement. Ça demande du temps. Alors, c'est un accompagnement qui est sur 3 mois, hein, 3, 4 mois. Mais ça demande du temps, des exercices. Ça demande en fait de la patience, comme tu dis, et ça demande un peu de persévérance. Et c'est bien que tu parles de ça. Ce n'est pas une baguette magique. Et voilà. C'est vraiment Ben, bien que et heureusement que ce n'est tu pas une soulignes. baguette magique, parce que, mais bon, après, moi, je dis ça maintenant parce que je vais mieux, mais c'est vrai qu'il y a eu des fois où mais je me disais, mais c'est pas possible, quoi, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Oui. Mais à se taper la tête contre les murs, quoi. Et comment tu surmontais ça, justement, quand tu étais Parce dans que je ces suis phases, même d'une. pendant la thérapie? Alors, j'ai une certaine forme de résilience, et puis vraiment, je me suis dit, ne tu sais pas, donc parce que des fois, voilà, on a l'impression de savoir en fait. Voilà, parce qu'on a compris, la consigne, ou on a compris parce qu'on a ressenti, voilà, un début de se dire, ah ben voilà, je ressens, et ben voilà, je reprenais tes vidéos s'il y avait besoin en fait, tes exercices, voilà, de les reprendre, notamment sur la respiration, ce qui est quand même assez magique. Et en fait, quand t'expliquais, parce que des fois, il y en a, voilà, tu fais la cohérence cardiaque, ou des fois, tu regardes des vidéos, et en fait, tu sais, tu fais ces aspirations par la bouche, et en fait, mais t'as raison, c'est pire, en fait, tu décryptes le truc, alors que ces petites respirations uniquement par le nez, avec la bouche fermée, mais franchement, à force de les faire, moi, j'en faisais tous les jours, mais même le matin au réveil, ben, tu mets ton réveil 5 minutes plus tôt, c'est pas grave, tu fais ça dans ton lit tranquillement. Dans la voiture, sur le chemin du retour de. Voilà, ou quand tu as un moment. Et ça, à force de le faire, ben, je me suis vraiment rendu compte que le cerveau, ben, ouais, tu peux vraiment le déprogrammer. Alors, c'est pas comme un ordinateur où tu fais des resets, tu appuies sur le bouton, c'est fait. Ben, là, le cerveau, c'est pas ça. Mais mine de rien, eh ben, ça fonctionne, en fait. Et, ben, et vraiment, tu m'aurais dit ça il y a 4 mois, j'aurais dit, ouais, tu es sûr que ça fonctionne parce que j'ai essayé, mais. Ouais, bah non, oui, alors si tu essayes ça forcément sur 15 jours, non, en fait, tu sais pas, c'est peut-être le 17e jour que ça va marcher, en fait. Tu as entièrement raison. Il faut C'est vraiment. la persévérance, c'est Ah, mais oui, mais l'effet, c'est les petits c'est ça. pas. C'est des petits pas, et tout à fait, c'est des petits pas. Moi, j'aime bien ce mot de petit pas, en fait. Un pas,
Chaque jour un pas, en fait. Et ça peut être cliché, mais c'est tellement ça, en fait. Et puis, ça t'amène, même d'un point de vue perso, de ralentir sur toi, en fait. On est tellement dans une société où tout va vite qu'en définitive, voilà, ça te ressent sur l'instant présent. Et du coup, tu profites carrément d'autres choses, en fait. Donc maintenant, je suis plus angoissée d'aller, par exemple, prendre un verre, de plus être enfermée. Des fois, je me dis, oh là là, punaise, tu vas être enfermée dans un truc. Alors, je te dis pas que je suis pas activée de temps en temps. Là, tu vois, moi, je suis en formation. Il y a des fois où je suis activée. Bon, c'est pas grave. J'ai les outils pour. Et puis, Comment tu fais quand pour surmonter ça, quand tu sens que je sais l'angoisse qu'il y a des remonte? pauses toutes les heures et demie. Donc, du coup, voilà, je vais me Ouais. lever. Si par exemple je peux aller marcher à l'extérieur, je vais marcher, je vais faire une petite respiration, et puis je me dis allez hop, t'es en sécurité, voilà. Et puis comme ton cerveau il est quand même moins sollicité que les fameuses amygdales, là, ces petites bornes hyper sympas qui se mettaient en mode help, là elles sont moins en mode help en fait, si tu veux, elles sont juste un peu titillées, mais plus autant. Donc du coup tu leur dis les filles, c'est bon, arrêtez de vous affoler. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas un ours derrière et il n'y a pas un dinosaure devant. Donc, du coup, là, tu relativises. Et puis, en final, tu te fais confiance et puis ça passe, quoi. Ça va finir par s'estomper, surtout Ouais, avec c'est les ça. changements de vie que tu es en train d'opérer aussi, Oui. hein. Donc, tout cet ensemble, si tu continues aussi les exercices, ça va vraiment finir par s'estomper. Et maintenant, est-ce que tu peux aller dans le supermarché tranquillement, faire tes J'y courses? vais. J'y vais, donc je me prends pas la tête. Alors par contre, je sais que voilà, je vais pas y passer trois plombes. Je fais ce que j'ai à y faire, et puis je me dis même trouve-y du plaisir, quoi. Ah oh, ben tiens, t'as envie de faire ce petit plat soir? Ah ben génial. Alors t'as besoin de quoi? Tu choisis tes petits légumes, tes petits fruits, tes petits machins, en disant à ton cerveau, eh oh Bibi, c'est bon, là détends-toi, tu vas faire un truc super ce soir à manger. Et puis voilà, et puis voilà quoi. Puis vraiment ça va pas, c'est pas grave quoi. Voilà, c'est pas grave en fait. Tu t'empêches plus de rien faire Non, là. non. Ah non, du coup, puis je vais progressivement, mais voilà, en fait, il faut mettre la notion de plaisir. En fait, j'ai retrouvé cette notion de plaisir, en fait. Et pas où j'y allais des fois en me disant, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? J'étais contente. Et en même temps, je me disais, oh là là, mince, ça y est, t'as vu une lumière, là, ça te déclenche une crise d'angoisse. Ah, ça y est, cette fois, c'est vraiment vrai, tu vas vraiment te faire une crise cardiaque ou tu vas vraiment te faire, je sais pas trop quoi. Là, non, et puis voilà, faut se foutre la paix, en fait. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça alors? Par rapport au fait Au que. fait d'être libéré de ces crises. Je me remercie en fait, et puis beaucoup de gratitude, alors pour moi, puis pour toi aussi, parce que vraiment, je trouve que le côté humain est quand même tellement important. Voilà, c'est ce qui peut faire la différence, et les rencontres en fait. Même si c'est à distance, il y a quand même un côté humain. Ben ouais, mais tu vois, Ouais. les énergies elles passent, l'émotion elle Oui. passe, le ressenti passe quand même. Et du coup, je pense qu'on apporte, malgré, même si nous on arrive, parce que c'est même quand même lourd, parce qu'on arrive avec quand même, tu vois, des choses quand même négatives. Donc toi, tu es quand même aussi là pour les accueillir. Et tu les accueilles avec vraiment bienveillance, et puis en plus sans jugement. Alors qu'est-ce que ça peut faire du bien? Et puis, je trouve que de la gratitude, vraiment, franchement, parce que. Toi aussi, je pense que voilà, tu as aussi une vie à côté de ton travail de thérapeute, et voilà, tu es quand même une charge aussi pour toi émotionnelle, des fois de recevoir, parce que tu dois avoir des gens voilà, qui sont complètement désespérés, hein, et que c'est pas facile d'accueillir aussi un peu des gens qui sont complètement qui ont peur et puis qui savent plus vers qui se tourner parce que ça devient compliqué. Donc voilà, il y a vraiment un bel échange. Et puis, je trouve que c'est quand même agréable aussi de voir qu'on fait des progrès. Et puis voilà, t'encourages toujours. Voilà, c'est.
Voilà, c'était un 4 mois, je ne sais plus combien on a fait ensemble, un peu plus, peut-être, je ne sais plus. Oui, peut-être, j'ai pas compté non plus. Voilà, bah, merci en tout cas. Mais en tout cas, par rapport, si je reviens par rapport à la charge émotionnelle, c'est sûr que parfois elle peut être lourde pour moi, mais elle est contrebalancée par des interviews comme ça, en fait. Ben oui, Et voilà. moi Ben... aussi, je te remercie, tout ce que tu me dis, ça me fait plaisir et ça contrebalance vraiment cette charge émotionnelle, ça me redonne de l'énergie, en fait, Oui, pour aider ben... d'autres personnes. Oui, ben oui, donc c'est toi, c'est ça, c'est qu'il y a une chaîne en fait. Donc voilà, moi tu m'as apporté quelque chose, donc voilà, moi ça vient vraiment du fond du cœur, je suis pas forcée, je le fais vraiment pas, voilà, c'est vraiment sincère, hein. Et du Ouais. coup, ben voilà. Moi, je vais peut-être contribuer aussi à aider quelqu'un. Donc, tu vois, Je vais aider c'est quelque chose quelqu'un qui a et du tu bien m'aides pour moi. aussi Je suis parce que moins tu me dépendante. donnes le bâton de Ouais, c'est relais ça. pour m'encourager à Voilà, repartir et aider exactement. d'autres personnes comme toi. Voilà, donc ben, moi, voilà, si je peux aussi aider d'autres gens, Oui. voilà, dans l'invisible et dans les énergies, ben, on a tout à y gagner, en fait. Tout à On a fait. tout à y gagner. Je te remercie pour cette belle interview, Claire. Voilà, merci à toi. Bonne continuation. Et ben, toi aussi, merci beaucoup. J'espère, et c'est vraiment mon but, que cette vidéo vous a redonné espoir. Vous voyez que comme Claire, on peut se sortir avec de la persévérance et un petit peu de travail des crises d'angoisse. Maintenant, si vous voulez aller plus loin avec moi, je mets à votre disposition une vidéo totalement offerte qui vous donne les quatre étapes indispensables pour se sortir des crises d'angoisse. Vous trouverez le lien sous la vidéo dans la description. Et si vous voulez aller encore plus loin, c'est possible. Vous pouvez passer 45 minutes au téléphone avec moi. C'est totalement offert aussi. On va faire le point sur votre crise d'angoisse, sur votre anxiété, et je vous donnerai un plan, étape par étape, pour vous en sortir. Vous trouverez aussi le lien sous la vidéo. Alors, j'ai hâte d'être avec vous au téléphone, et je vous dis à très bientôt.